Bonjour à vous toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous présenter donc ce joli gilet blanc. Voilà. Alors en fait, c'est au point péruvien. Et je ne sais pas si vous en souvenez, j'avais déjà fait une petite vidéo avec une écharpe colorée au point péruvien. Alors en fait, j'ai beaucoup aimé cette écharpe-là parce que c'était vraiment léger. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas tester donc un beau petit gilet blanc qui sera aussi léger et puis qu'on peut mettre comme ça en soirée, quand il fait frais et tout, pourquoi pas. Alors là, je l'ai tenté, mais moi je vous dis franchement, donc il était quand même long à réaliser, hein. J'ai quand même mis une semaine pour faire le dos, les devants, mais après tout, comme on dit, Paris, c'est pas non plus construit en un jour, hein, voilà. Alors, là, je vais vous présenter, j'ai fait le dos, voilà. Alors, par rapport au dos, donc, j'ai fait 20 motifs, voilà, pour ma taille 42-44, hein. Alors, j'en ai fait, je ne sais pas si vous voyez bien, oui. Non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà. Donc là, pour l'instant, j'ai fait le dos. Mais par contre, ce que je vais faire, je vais déjà vous montrer le schéma, comment je m'y suis pris. Alors, ce petit cahier, voilà, j'ai posé ma petite feuille. Alors là, ce qu'on va faire en fait, moi j'ai simplement fait donc un grand rectangle, voilà, je sais pas si vous voyez bien, oui. Alors j'ai fait le grand rectangle par rapport au dos. Alors là, j'ai fait de là à là au dos, j'ai fait 20 motifs, voilà, pour moi c'était très bien, hein, par rapport à ma taille. Ensuite, j'ai fait deux bandes pour le devant, hein. Voilà, ça c'est le devant du gilet. Alors là, pour une bande, j'ai fait 10 motifs. Voilà, l'autre pareil, 10 motifs. Alors pour la question pour la laine, alors moi ce que j'ai fait pour la laine, enfin, ce que j'ai fait, j'ai pris cette laine là, voilà, la médium, elle fait 100% acrylique et 100 grammes, elle fait 238 mètres. Alors j'ai pris la blanche parce que je la trouvais très jolie pour la saison et je l'ai crochetée avec le crochet numéro 4. Voilà. Alors, ce qui est de l'épelote. Alors, pour la première bande, moi j'ai utilisé une pelote. La deuxième bande, j'ai utilisé aussi une pelote entière. Hein. Et ce qui est du motif du dos, eh bien, en fait, j'ai utilisé, donc je regarde bien, oui, j'ai utilisé 2,5 pelotes. Voilà. Alors, c'est un gilet donc, qui m'est revenu avec 1, 2, 3, 4, 4,5 pelotes. Alors, moi, je vous conseille d'en acheter 5. Voilà. Bon, après, si vous, vous faites une taille plus petite que la mienne, du S, du M, automatiquement, vous aurez moins besoin de pelotes. Voilà. Alors, ce qui est de la mesure par rapport à ma taille. Alors, je vais mesurer. Je retrouve mon petit mètre. Voilà. Alors là, je vais mesurer le dos. Bon, je pense qu'avec la caméra, je ne sais pas si vous allez bien voir ou pas. Peut-être pas tout. Voilà. Mais j'ai quand même le mesuré. Voilà. Pour vous donner vraiment à peu près, voilà, les bonnes mesures. Alors, pour ceci, du bout à bout, il fait, je le mets bien droit, il fait 55 cm. Voilà, vous voyez, il fait 55 cm. Voilà. Alors, par rapport à la hauteur, si j'arrive bien à le mesurer aussi, ou bon, après je sais pas si vous allez bien voir comme il faut. Alors, la hauteur, parce que moi je l'ai fait grand, hein, je le voulais quand même pas mal grand, hein. Après, vous pouvez faire comme vous voulez, à peine plus court, moyen, c'est vous qui voyez. Hein. Alors, le mien, donc j'en suis là, ici, donc là, j'en suis à 60. Alors, 60, qui était juste ici, il est arrivé au bout, 78, donc il fait 78. Voilà, 78 de longueur. Il est vraiment gros. Il est vraiment gros, le point, les longs, moi j'aime bien. Il est vraiment très très joli.
En fait, il me fait penser vraiment à l'écharpe que j'avais fait. Il est vraiment léger, on ne le sent pas en fait. Je dirais une petite plume. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous montrer les deux bandes. Voilà. Alors là, c'est les deux bandes. Voilà, qu'on va mettre devant. Voilà. Par contre, j'ai pas noté donc la longueur, mais j'avais dit 78 cm. Hein. Voilà, de là à là. Hein. Voilà, donc il fait 78 cm qu'on a dit. Donc là, c'est pareil, je vais pas vous reprendre la mesure. Hein. Donc c'est exactement pareil. 70 cm hein, pour les deux. Hein. Voilà, comme ça vous serez par rapport à ma taille 42-44. Hein. Bon après, c'est comme je vous ai dit, hein, vous pouvez faire moins long. Hein. Voilà, c'est vous qui décidez. Voilà. Puis de toute façon, quand vous allez faire votre motif, comment on appelle ça, le motif péruvien, de toute façon, vous allez commencer à faire une maille chaînette de 4 en 4. De toute façon, après, je vais vous montrer comment on fait. Hein. Voilà. Vous allez faire une chaînette de 4 en 4 et vous allez simplement, comme j'ai fait moi, simplement la passer de votre taille. Donc de là, à partir de là, jusqu'ici. Voilà. Et là, vous allez passer votre taille, vous allez faire votre chaînette de 4 en 4. Puis une fois que vous arrivez à la bonne longueur de votre taille, et bien vous arrêtez en fait. Par contre, admettons, si vous arrivez à, je sais pas moi, ça termine par un 3, ben vous mettez une maille chaînette en plus. C'est normal, c'est pas pour faire le point. Voilà. Et c'est pareil pour le devant. Voilà. Moi j'ai pris des épaules. Voilà, j'ai pris des épaules ici. Je me suis arrêtée au cou. Attention, ce que je vais faire, je vais faire plutôt quelque chose de plus propre. Voilà, je vais essayer. Pour que j'arrive mieux à m'expliquer. Là, c'est le cou. Voilà. Là, c'est les épaules. Hein. Hop. Bon, je ne suis pas fortiche en dessin. Hein. Voilà. Alors, voilà. Donc, moi, j'ai pris de là à là. Voilà. Alors, j'ai pris de là à là, à la taille. Hein. J'ai fait ma chaînette de 4 en 4. Voilà. Après, ça m'a donné tant de motifs. Et puis, pour le devant, c'est pareil. Donc, je me suis arrêtée par rapport à mon cou. Et je me suis arrêtée à l'épaule. Et là, voilà, par rapport à mon épaule, là, j'ai fait la même chose. J'ai fait une chaînette de 4 en 4 jusqu'à trouver la bonne dimension. Voilà. Bon, après, c'est comme tout à l'heure, je vous disais, si votre chaînette, admettons, elle ne s'arrête pas à 4, enfin, s'arrête pas à 4 à la dernière maille chaînette. Si vous avez 2 ou bien 3, vous rajoutez votre maille chaînette pour que ça fasse... le nombre indiqué, donc 4 en 4, voilà. Et puis là, ben voilà, à partir de là, ben j'ai fait mes deux bandes, voilà, et puis le dos, l'autre côté, voilà. J'espère que vous avez compris à peu près comment je me suis prise, voilà. Alors, voilà la première bande, voyez, que justement après qu'on va, de toute façon je ferai ça avec vous, hein, pour l'attacher. Donc là, tout à l'heure, on va le coudre par rapport aux épaules. Voilà. Moi, je vais le coudre tout le long. Ensuite, quand je vais le coudre, je vais prendre la dimension donc par rapport à toute la longueur. Et je mettrai après un petit crochet, voilà, pour m'arrêter juste en dessous du bras. Et puis après, ben, je vais le coudre parce qu'on fera ça tranquillement ensemble. Hein. Alors, voici ma première bande. Et puis, ma deuxième bande. Voilà, que j'ai fait. Voilà, les deux bandes de devant. Vous voyez, ça va être comme ça après. Voilà. Avec le dos, juste en dessous. Voilà. Une fois que j'aurai cousu le tout, et bien ensuite, ce que je vais faire après, je vais simplement faire une petite maille chaînette. Voilà. Une grande maille chaînette. Et je vais l'attacher simplement comme ça avec un petit cordon. Ça sera vraiment le top. Est vraiment très simple à faire, vous n'allez vraiment pas vous compliquer la vie. Vous aurez juste les coutures des épaules à faire et les coutures sur le côté. De toute façon, la finition, vous n'avez pas besoin. Ce que vous voyez, donc il est déjà fait la finition. Voilà, c'est pas la peine de faire un point droit. Moi, je trouve vraiment très joli comme ça. Très, très beau. Voilà. Alors, là, je vais ranger ça pour l'instant. Et puis maintenant, bon, ben, pour celles qui n'ont pas suivi, peut-être qu'ils n'ont pas vu ma précédente vidéo, et bien là, on va attaquer par rapport à mon petit point péruvien.
Voilà. Alors là, comme je vous avais déjà expliqué à ma vidéo précédente, c'est mon mari qui me l'avait fait. Hein. Voilà. Il m'avait fait un bâton parce que je ne sais pas ce que j'ai rangé l'autre. Voilà. Parce que j'en avais un autre comme ça, voilà. Mais il était vraiment trop court hein, pour faire le point, enfin pour faire la longueur du gilet. Voilà. Alors, par contre, qu'est-ce que je voulais vous dire? Pour celles-ci, en fait, qui sont intéressées, qui se posent la question, est-ce qu'on peut trouver ce genre de grand crochet? Ben moi, je l'avais acheté à Centracor. Donc, Centracor, c'est un magasin, je pense, qui est maintenant à peu près partout. Et moi, je vous dis franchement, je n'avais pas payé cher. Je crois que j'avais payé sur les 8 euros, un truc comme ça. Hein. Voilà. Alors, donc, il fait 20 mm de diamètre. Alors, mon mari, donc, il a fait la même chose. Hein. Je ne l'ai pas marqué, mais il fait pareil. Hein. Il fait 20 mm de diamètre. Voilà, donc ça fait 2 cm. Voilà, de là à là, par rapport au point. Ben, mon mari, lui, ce qu'il avait fait, il avait pris un manche à balai. Voilà, il avait coupé la grandeur que je voulais. Il m'avait bien poncé, donc du bout, ici, et juste là. Comme ça, ben, elle est bien lisse et on pourra bien travailler avec. Et puis, je peux faire la grandeur que je veux. Voilà. Alors, je vais prendre vraiment, ben, je vais continuer avec ma laine blanche. Vous voyez, c'est ce qui me reste de mes quatre pelotes de laine et demi. Voilà. Donc, je vais prendre celle-ci pour vous montrer le point. Alors, là, ce qu'on va faire, comme tout à l'heure je vous disais, on va faire une maille, on va faire des mailles chaînettes de 4 en 4. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais baisser un petit peu ma caméra. Voilà. Alors, on va commencer. Par contre, quand vous ferez donc votre maille chaînette, faites en sorte qu'elle soit bien lâche, pas trop serrée. Voilà. Parce qu'après le motif, il sera serré en bas, ça ne fera pas du tout joli. Alors. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Je pense que je vais en refaire un pour vous montrer que ce soit plus grand. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Alors, là, je suis arrivée au bout. Donc, la dernière maille que vous voyez, en fait, vous allez simplement la tirer. Ensuite, on va prendre le petit bâton. On va quand même disposer donc la chaînette qu'elle soit bien droite. On va prendre le bâton. On va directement mettre la première maille sur le bâton. Alors, ensuite, faites en sorte que la laine, elle soit toujours derrière, pas devant. Voilà. Alors, ensuite, on va prendre, je ne sais pas si vous voyez bien, parce que je pense qu'elle brille un peu. On va aller à la deuxième maille. On va tirer le fil par derrière. On va la rentrer dans la maille. Et on va simplement la disposer sur le bâton. Voilà. Alors, en fait, qu'est-ce que je voulais dire? Ça ne sera peut-être pas trop évident à vous montrer, parce que, en principe, quand on se fait ce point-là, on met soit le bâton sur les genoux, ou sur le ventre, ou debout comme ça. Voilà, ça sera plus, enfin, on voit mal par rapport à la caméra. Ça sera plus facile donc à faire le point. Mais là, bon, je vous montre, mais bon, voilà. Je pense que c'est un petit peu compliqué, mais j'ai quand même essayé de faire au mieux. Alors, je vais mettre ma petite chaîne étroite. Donc, on va à la troisième maille, pareil. On reprend le fil par derrière. On le tire et on le pose sur le bâton. Voilà, vous voyez, pour l'instant, il n'y a vraiment rien de compliqué. Voilà, je reprends le fil par derrière et je le passe directement dans ma chaînette, dans ma chaînette, et après je le dispose directement sur le bâton. Voilà. Alors, on va refaire pareil. En fait, on va faire pareil pour toutes les mailles. Voilà, toutes les mailles chaînettes, on fait la même chose, vous voyez. Voilà. Alors moi, ce que je vais faire, ben, je vais continuer à faire tout ça jusqu'au bout et on se retrouve juste après. Alors, je suis presque arrivée au bout. J'en ai encore une à mettre. Alors, voilà, je la prends dans la maille. Voilà. Par contre, quand vous montez donc votre point, ben, n'hésitez pas de temps en temps, vous voyez, vous prenez le fil comme ça, vous tirez mais légèrement, vous voyez. Voilà. Pour que tout soit uniforme, en fait. Bon, moi, ça va, je l'ai déjà fait. Mais voilà.
vous tirez mais tout doucement. Voilà, comme ça, moi, ça, vous aurez le même, la même dimension. Voilà. Alors, une fois qu'on a mis tout sur le bâton, ce qu'on va faire, le fil, il faut toujours qu'il soit derrière, toujours derrière l'ouvrage. Hein. Voilà. Alors là, on va prendre simplement donc quatre premières fils. Voilà. On va le mettre sur le crochet. Ensuite, on va prendre le fil, on va passer par derrière, on va passer juste en dessous. Et là, on va faire une maille serrée. Moi, vous savez, penser comme ça, c'est pas trop évident. Moi, ce que je vais faire, je vais carrément tout retirer. De toute façon, une fois que c'est bien mis, ça risque pas de bouger. Hein. Voilà, ça sera plus facile. Alors, une fois qu'on a pris nos quatre, ensuite, là, automatiquement, vous allez voir un petit trou qui va se former. Voilà. Alors, dans ce petit trou-là, vous allez faire simplement quatre mailles serrées. Une, deux, trois. Je vais prendre un petit peu de laine. Trois. Et 4. Voilà. Ensuite, on va refaire la même chose. On va reprendre 4 fils. 1, 2, 3 et 4. On va légèrement tirer un petit peu dessus, mais pas trop. Voilà. On va passer le fil par-dessous, ensuite par-dessus, et on va directement en dessous, tout le long. Voilà. Et là, on va faire une maille serrée. C'est simplement pour tenir l'ensemble. Et vous voyez, à chaque fois que vous allez faire votre maille serrée, vous allez voir là, vous aurez toujours ce petit trou qui va se former juste ici à l'intérieur. Et bien, vous passez simplement votre crochet à l'intérieur et on fait la même chose en fait. On va refaire notre 4 mailles serrées. Donc, une, deux, trois et 4. Par contre, je vais mettre un peu plus quand même la caméra comme ça. Voilà. Et 4. Là, pareil, on reprend les 4 autres. 1, 2, 3 et 4. On refait pareil, on repasse le fil par-dessus. On va en dessous en tirant tout l'ensemble. On fait notre maille serrée et à l'intérieur, vous voyez, hop, vous avez le petit trou qui va se former. À l'intérieur, on prend le crochet, on le met, on le rattrape et là, on va faire nos 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. De toute façon, à chaque fois qu'on va faire ce motif-là, vous allez voir, vous aurez toujours les 4 premiers, vous aurez 4 fils. Et derrière, vous aurez la même chose, vos 4 fils en fait. Voilà. Alors en fait, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous en aurez 4 derrière et 4 devant. Voilà. Donc, si vraiment vous venez à prendre le fil et puis vous dites, j'en ai pris 3 au lieu de 4. À ce moment-là, vous commencez. Mais sachez qu'il faut toujours en avoir 4. 4 devant et 4 derrière. Voilà. Des fois, on peut se tromper, hein, ça arrive. 1, 2, 3 et 4. Voilà, je arrive à la dernière, donc je fais la même chose. Je repasse le fil par-dessus là, mon crochet. Je prends tout l'ensemble. Et au petit trou qui s'est formé à l'intérieur, et bien, je vais refaire les 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Alors, une fois que vous êtes arrivé au bout, voyez le motif comme il est joli. Voilà, là il s'est bien formé. C'est vraiment beau. Et bien, une fois que vous arrivez au bout, vous allez tirer la dernière maille. Voilà. On va reprendre le bâton, tout simplement. On va mettre par-dessus la maille. Voilà, qu'on vient de tirer. Et là en fait, il va vous rester 3 mailles. Parce que la première, on l'a déjà mise. Il va rester 1, 2, 3. Et bien, alors ce qu'on va faire, on va tout simplement, je ne me trompe pas, placer le crochet à l'intérieur de la maille. On va choper le fil par derrière. On va le tirer devant nous. On va le disposer sur le bâton. Voilà. Et jusqu'à avoir nos 4 mailles. Voyez ? Passe par la maille suivante, on tire le fil par derrière, hop, on le dispose sur le bâton. Maintenant, il ne me reste plus qu'une à mettre, hop, je passe par derrière et je le remets sur le bâton. Voilà. Alors en fait, ces quatre fils, et bien, en fait, c'est pour refaire le même dessin, le même motif. Voilà.
Et là, on passe au deuxième schéma, deuxième point du péruvien, et on fait la même chose. On va au premier, on passe par-dessus la malle, et on tire, et on le met sur le bâton. Vous voyez ? C'est vraiment pas compliqué. Deuxième maille, voilà, on passe sur le bâton. La troisième. Un peu de fil. Ensuite, la quatrième. On fait la même chose. Voilà, voyez. Et en fait, vous allez faire ça tout le long. C'est vraiment pas compliqué. Alors moi, ce que je vais faire, ça jusqu'au bout. Et on se retrouve. Ben voilà, je suis arrivée au bout. J'ai encore une petite une affaire, voilà. Je la mets par-dessus et voilà. Hop. Alors, ce que je vais faire, je vais monter un petit peu, voilà. Alors, une fois que ils sont mis correctement sur le bâton, voilà, on va faire comme au début. On va simplement prendre les quatre premiers, voilà. Par contre, je vais retirer quand même l'ensemble parce que c'est un peu compliqué de faire ça avec le bois. Et on va refaire comme au début. Voilà. Alors faites en sorte que bon, vous tirez mais légèrement, que tout soit bien droit comme il faut. Hein. Voilà. On fait pareil, une maille serrée. On repart dans le trou. Voilà. Et on va refaire nos 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Prendre à côté les autres, 1, 2, 3 et 4. Voilà, on tire légèrement, on passe par en dessous, on fait notre maille serrée, on va dans le petit trou qui s'est formé, et à l'intérieur, on va refaire nos 4 mailles serrées, 1, 2, 3 et 4. Passe à côté, 1, 2, 3 et 4. On tire à peine, maille serrée, on repart dans le trou, 1, 2, 3 et 4. On arrive à la dernière, 1, 4, voilà, on tire à peine et hop, notre maille serrée, et on fait la même chose dans le trou, 1, 2, 3 et 4, voilà, et ensuite vous faites la même chose, voilà, vous tirez sur le fil et vous mettez sur le bâton, voilà. Pour refaire le même point. Vous voyez comme il est joli. Voilà. Et franchement, il n'est pas compliqué. Puis il est vraiment très très joli. En plus, il est léger. C'est vraiment le top. Voilà. Alors bon, ce que je vais faire là, je vais prendre mon gilet. Voilà. Moi, j'espère que ça vous a bien plu, ce petit point. Comme moi, je l'aime beaucoup. Voilà. Alors, moi, je vais prendre. Alors, je vais prendre mon gilet, voilà, je vais monter un peu la caméra. Alors, de toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper. Quand vous aurez votre point, vous voyez, sur le côté qui est à l'envers, ça fait des petites formes de, on dirait que ça fait plus épais en fait. Voilà, et le côté droit, en fait, il est tout droit, vous voyez, il n'y a rien qui, il est parfait quoi. C'est pour ça que vous ne pouvez pas vous tromper, l'envers et puis l'endroit, voilà, l'endroit il est plat. Et puis l'envers, ça fait comme des petits bourrelets. Vous avez vu? Voilà. On ne peut pas se tromper. Voilà. Alors, moi, ce que je vais faire. Je vais mettre. Je vais commencer à préparer donc, mon gilet. Et puis ensuite, je vais le coudre avec vous. Alors, à tout de suite. Alors, voilà. Alors, quand vous allez prendre votre pull pour le coudre, alors faites bien attention. Hein. Alors, en fait, le côté endroit,
vous disposez dessus. Et là, c'est le côté envers à l'intérieur. Alors, pour faire l'épaule, le devant, donc, vous mettez bien envers sur envers. Hein. Voilà. Alors, pour ma part, moi, ce que je vais faire, je vais prendre mes petits crochets, comme ça, je vais les mettre au bout, voilà, pour me repérer. Alors, vu que mon devant, donc, il a 10 motifs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et bien, ce que je vais faire, et bien, en fait, je vais faire en sorte de ne pas me tromper. Donc, je vais piquer directement dans le trou qui est là, à l'intérieur, avec l'autre. Voilà, comme ça. Ensuite, je vais reprendre un crochet, et là, je vais calculer, en fait. Ça tombe bien dessus, pile poil. Alors, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Alors, je me repère et moi, ce que je vais faire, voilà, je vais directement piquer à l'intérieur. Comme ça, ben, je risque pas de me tromper, en fait. Voilà. Alors, vous aurez besoin, c'est sûr, d'une aiguille avec de la laine. Hein. C'est tout à fait normal pour pouvoir coudre. C'est ma petite aiguille dans le fil. Voilà. Alors par contre, qu'est-ce que j'ai fait de mon ciseau, moi? Ah, me voilà. Je vais quand même prendre un bout assez grand. Voilà. Alors. Hop, pour être sûr, pour en avoir trop que pas assez. Hein. Voilà. Alors. Donc là, on va commencer à le coudre, juste ici. Hein. Je vais baisser un petit peu ma caméra. Voilà. Alors, vu que j'étais là, je vais commencer à prendre depuis ici jusqu'ici. Voilà. Voilà. Alors, en fait, on va juste prendre les mailles avec les mailles. Les mailles chaînettes avec les mailles chaînettes. Voilà, tout simplement. Voilà, pour que la couture elle soit vraiment parfaite en fait. Hop. En tout cas, vous allez adorer parce que c'est vraiment un point qui est très facile à faire. Et en plus, il est vraiment joli. Hein. J'aime bien parce que le gilet en lui-même, quand vous allez le voir, hein, si vraiment vous le faites, vous allez le porter, mais vraiment vous ne le sentez pas en fait. C'est ça quoi. Il est vraiment, mais vraiment agréable. Après, bon, je me suis dit, ben, pourquoi pas, ben, je vais tenter. Hein. De toute façon, celui qui ne tente pas, il n'a rien, quoi, en fait. Alors, hop, ben, j'y vas-y, Amélie, hein, pourquoi pas. Voilà, vous voyez. C'est vraiment, vraiment très simple pour la couture et tout. Hein. Voilà. Par contre, quand vous allez coudre, faites bien attention que vous soyez bien par rapport avec ce qui est derrière. Hein. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, ce que je vais faire, je vais continuer donc à le coudre jusqu'au bout. Voilà. Et puis, on va se retrouver juste après. À tout de suite. Alors, voilà, j'arrive bientôt au bout. Alors, en fait, tout à l'heure, je me suis trompée. C'est quand je vous ai dit comme ça qu'il fallait mettre, en fait, le endroit contre envers. En fait, pas du tout, non. Il faut mettre l'endroit, voilà, contre l'endroit. Voilà. Comme ça, ben, l'envers, il est par-dessus. Voilà. Bon, ça arrive, hein, des fois, on peut se tromper. C'est pas bien grave. Alors, là, j'arrive au bout. Voilà. Alors, je vais retirer mon crochet. Je vais finir jusqu'au bout. Alors, moi, des fois, ce que j'aime bien faire, en fait, c'est des points d'accroche. Voilà, comme ça. Je reprends le fil. Voilà. Et je fais comme ça, je suis sûre que ça va bien tenir. Hop. On appelle ça des petits points d'accroche. Voilà. Bon, après, c'est une habitude que j'ai. Hein. Voilà. Alors. On arrive bientôt au bout. Voilà.
j'arrive à ma dernière que je vais piquer vraiment bien comme il faut. Vous voyez qu'ils sont vraiment qui correspond bien avec le point qui est juste à côté. Voilà. On arrive. Hop. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais refaire un petit point d'accroche. Voilà. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais rentrer mon fil directement en fait. Voilà, comme ça je suis tranquille. Alors moi ce que je fais, je reprends toujours le fil. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, je le rentre à l'intérieur. Et en fait, je fais tout le long comme ça. Hop, je repasse dans la couture. Voilà, c'est plus propre, c'est plus joli, hein. Voilà, là je vais leur faire un petit bout comme ça, par là, hop, et ensuite, moi ce que je refais, et bien je refais le sens contraire, voilà, une fois que je suis arrivée au bout, ben je le reprends et je repasse sens inverse, voilà, comme ça, hop, vous voyez, là je suis sûre qu'il ne veut pas sauver le fil, hein. Voilà, on va faire un petit tour jusqu'au bout. Voilà. Là, je pense que ça devrait aller. Voilà. On va bien tirer sur le fil. Hop. Ça peut bien se mettre comme il faut, oui. Alors, on va prendre le ciseau et on va couper. Voilà. Bon, après, là, j'ai un fil là, qui me reste sur le départ. Là, je ferai tranquillement après, celui-là. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne. Vous voyez, c'est joli, hein. Une belle petite couture bien fine. Voilà. Qui correspond bien avec les points. Voilà. Celui-là avec celui-là, celui-là. Vous voyez. Il est vraiment joli, joli comme tout. Voilà. Alors, moi, ce que je vais faire maintenant, ben, en fait, je vais faire l'autre côté. Voilà, tout simplement, hein. Je vais mettre mon tricot comme il faut, voilà, et puis je vais disposer, hein, alors sans me tromper ce coup-ci, voilà, alors l'endroit, sur l'endroit, voilà, là je vais refaire la même chose, hein. Voilà, alors, je vais aller à mon premier motif, je vais m'accrocher au premier motif qui est juste là, Voilà. Alors ensuite, je vais reprendre un petit crochet. Hop, et je vais recalculer mes 10. 10 motifs. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors juste ici, hop, je vais mettre mon petit crochet. M'attacher à l'autre, juste au bout, et puis voilà. Vous voyez ? Alors moi ce que je vais faire, je vais coudre l'ensemble, comme celui-là, comme celui-ci, et on se retrouve juste après. Alors voilà, je suis arrivée à la deuxième manche, hein. Je suis arrivée au bout, voilà. Hop. Vous voyez ? Alors je vais retirer mon petit crochet, parce que ça va me gêner, voilà. Alors, maintenant, on va se mettre bien comme il faut en face de l'autre. Bien piqué. Hop, et hop. Voilà. Il est bien en face, nickel. Voilà. Là, je vais faire un petit point d'accroche. Et ensuite, je vais refaire comme tout à l'heure. Mon tricot comme il faut et ensuite je vais directement à l'intérieur et je vais passer mon fil, voilà, hop.
là. Maintenant, on va refaire le sens contraire. Je vais refaire l'autre côté. Voilà. Là, je pense que ça va aller. Voilà. Hop. Impeccable. On va prendre le petit ciseau et on va couper le tout. Voilà. De toute façon, il me reste ça pour tout à l'heure. C'est pas grave, je vais pas le faire avec vous. Je le ferai tranquillement tout à l'heure. Voilà. Voilà le résultat. Hein. Très joli. La couture, elle est parfaite. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Parfaite. Elle correspond bien avec les motifs face à face. Vraiment joli. Puis quand on le prend, c'est vraiment léger, léger. Alors, moi, ce que je vais faire, alors vu que je vais le remettre comme il faut, je vais monter la caméra. Alors, j'ai déjà cousu tout ça. On a déjà fait les épaules. Je vais mettre trois comme il faut. Vous voyez bien ici. Voilà. Alors, vu qu'on a déjà cousu les épaules, il ne restera plus que, voilà, vous voyez, les épaules sont déjà cousues, voilà. Alors maintenant, il ne me restera plus que à le mettre sur moi. Et en fait, là, je vais mesurer par rapport à mes manches, voilà, où je dois m'arrêter. Et ensuite, il ne restera que du bas, donc le bas de là à là, à coudre tout l'ensemble. Voilà. Écoutez, moi, c'est pas la peine, je vais pas vous montrer. Hein. Vous savez quand même, vous savez coudre. Alors, moi, je vais prendre, je vais le mettre sur moi, je vais prendre ma petite mesure. Voilà. Et ensuite, mais je vais coudre jusqu'en bas. Voilà. Et bien, écoutez, je vais faire tout ça, puis on se retrouve juste après. Alors, voilà. Alors, j'ai pris donc mes longueurs, ma longueur hein, par rapport à mes manches. Alors, pour moi, pour ma taille, personnellement, pour la manche, j'ai pris 8 motifs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je me suis arrêtée au 8e motif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, 8, c'est bien ça, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, je me suis bien arrêtée au 8e motif. Et maintenant, ce que je suis en train de faire, et bien là, je couds carrément depuis le bas. Voilà. Alors là, j'ai commencé un petit peu, vous voyez. Voilà. Il faut vraiment le disposer vraiment bien droit comme il faut. Hein. Vous voyez, comme vous avez le coudre, il faut bien le mettre face à face, hein, les trous. Vous voyez? Voilà. Je vais descendre un peu plus. Voilà. Alors moi, je me suis bien mis face au trou. Puis maintenant, voilà. Je commence, je continue comme ça. Vous voyez? Mais en fait, moi, je trouve qu'il est plus facile à coudre de ce côté-là que les épaules. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que le motif, il se met mieux, en fait. Voilà. Il est plus facile, en fait, parce qu'on rejoint bien les bouts à bout, en fait. Il est plus facile en fait, il se met mieux. Il se met mieux. C'est bien parce qu'en fait, il n'y aura aucune finition en fait. La finition elle est déjà. C'est vraiment le top en fait, ce point-là. Moi j'aime beaucoup. Alors. Voilà, on va continuer. Repart sur le deuxième. Voilà. Voilà.
Ben moi, ce que je vais refaire un point d'accroche pour être sûre que ça tienne bien, en fait. J'aime bien faire ça. Voilà, une fois de temps en temps, un petit point d'accroche comme ça, allez, hop. Comme ça, on est sûr que ça ne va pas s'écarter, en fait, quand on va le porter. Ça restera bien rigide, en fait. Voilà. Ben alors, moi, ce que je vais faire, ben, je vais continuer tout le long jusqu'à mon émanchure. On va se retrouver juste après. Alors voilà, je suis bientôt arrivée au bout de dessous de mon épaule. Voilà. Alors je vais retirer mon petit crochet. Et là, il ne restera plus qu'à y coudre. Tout le long ici. Voilà. Et on arrive du bout à bout, et voilà. Voilà. Bon, je vais faire mon petit point d'accro comme tout à l'heure. Voilà. Alors, ensuite, je vais rentrer mon fil. Là, dans la couture, parce que la couture elle est où? Elle est là, hein? Voilà. On va refaire le sens inverse. Voilà, je vais m'arrêter, c'est bon. Hop, on va couper tout ça. Voilà. Alors, j'ai déjà fait le côté du bras, vous voyez, le bras est juste ici. Alors maintenant, ce que je voulais faire, je vais vous montrer ce que ça donne en fait. J'ai déjà fait un petit côté. Voilà, là, je vais le mettre sous l'endroit, comme il faut. Voilà la petite couture de l'épaule. Elle est toute jolie comme tout. Là, c'est le bras. Voilà. Et là, voici la couture. Le tout long du pull, en fait. Alors, c'est pas évident à mettre comme il faut, vous voyez. Comme c'est parfait. En fait, on n'y voit rien du tout. Voilà. Alors, la couture, elle se trouve juste ici, en fait. On n'y voit rien du tout, en fait. Hop là. C'est vraiment bien fait. Voilà, jusqu'au bout, impeccable. On ne voit vraiment rien du tout. Alors, j'ai déjà fait un petit côté. Voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire, et bien, je vais rester à l'autre côté. Voilà. La plus tranquille. Donc là, je ne vais pas vous montrer. Hein. Je vais vraiment le coudre jusqu'au bout comme l'autre que j'ai fait. Voilà. Une fois que j'aurai cousu ben, l'autre côté, et bien ce qu'on fera après, on fera simplement donc la petite machinette, justement, qu'on va faire à peu près par là. J'essaierai aussi pour savoir où je vais m'arrêter. Je pense que je vais m'arrêter par là. Et après, il sera fini. Voilà. Et bien, écoutez, je vais coudre l'autre côté pour surtout juste après. Voilà, alors là, je me suis mis en position donc pour coudre la deuxième bande. Hein. Alors par contre, quand vous cousez, donc comme ça, donc l'intérieur, hein, faites bien attention de vous mettre bien comme il faut, hein, voilà, face au motif, hein, voyez. Alors, moi, je préfère le mettre à plat parce qu'on voit mieux. On voit mieux. Ah, j'ai ma petite laine qui est en train de me faire quelque chose, là. Hop là. Alors, tu veux bien te remettre comme il faut, toi? Mm-hmm.
quand c'est parti, c'est parti. Hein. Bon, écoutez, c'est pas... Voilà, c'est bon. Alors, vous voyez, moi j'aime bien faire comme ça. Hop, on voit bien les motifs, on est bien en face en fait. Voilà. Alors moi, à chaque fois, ce que je fais, en fait, je fais un petit nœud. Voilà, quand je commence. Voilà. Je fais juste un petit nœud. Et là, ce que je vais faire, je vais simplement le mettre ici. Comme ça, je vais le prendre avec ma couture. Voilà. Je trouve que c'est mieux. Voilà. Vous voyez ? Alors là, je vais faire comme ça tout le long. Voilà. Habituellement, moi j'aime bien parler, parce que je suis quelqu'un qui adore parler. Mais c'est sûr, quand on fait des vidéos comme ça, quand on n'a pas la personne en face de nous, c'est un petit peu embêtant en fait. Voilà. Donc on est un petit peu, je ne dis pas qu'on est stressé, mais voilà, on fait toujours attention à ce qu'on dit. Voilà. C'est pas évident hein, de faire des vidéos, parce qu'il faut savoir déjà parler. Hein. C'est pas évident, voilà. Et des fois, c'est vrai que j'ai un petit peu tendance à mal m'exprimer, mais bon, c'est sûr que il faut s'habituer, voilà. Puis un truc qui est marrant, parce que quand je regarde mes vidéos, puis quand je m'entends parler, il y a des fois sur certaines vidéos, et ben ça fait chè, comme si que je chuchotais en fait. Alors là, pas du tout en fait. Je ne chuchote pas du tout. Mais il y a une amie qui m'a dit comme ça se trouve parce que je suis trop proche de du micro, de la caméra. Donc en fait, ça doit faire che, comme ça. Bon, elle pense que ça vient de ça parce qu'en temps réel, en fait, je ne chuchote pas du tout. Je parle comme tout le monde, impeccablement bien. Alors si vous, franchement, vous faites des vidéos, alors si vous trouvez une solution, de me le dire, pourquoi pas. Parce que des fois, ça fait un petit peu trop, moi, je trouve. Voilà. Alors, voilà, là, je vous ai montré comment je m'y prenais. Je rentre bien mon fil, pareil, en même temps. Voilà. Alors, vous voyez, comme ça, bah, vous vous mettez bien en face du projet. Hein. Voilà, comme j'ai fait moi. Vous voyez ? Ça se fait comme il faut. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais continuer jusqu'au bout, jusqu'en bas de mon émanchure. Et on se retrouve juste après. Alors, voilà. Là, c'est bon, là j'ai tout cousu, donc mes épaules, voilà. Ensuite, l'autre épaule, pareil. Voilà, par contre, je vais retirer ça parce que ça me gêne. Voilà. Alors, tout le long, il a été fait, hein. Ça y est. Vous voyez, il est vraiment, mais vraiment joli. Et qu'est-ce qu'il est léger, vraiment impeccable. Alors, vous voyez, la couture, et bien, en fait, elle est juste ici, mais... On la voit pas en fait, hein. Elle est bien mise avec les deux points, voyez, elle est impeccable, hein. Voilà. Alors, une fois que j'ai tout cousu, c'était ensemble, voilà. Alors maintenant, moi, je l'ai essayé sur moi, voilà, je vais leur mettre trois comme il faut. Alors, pour ma part, alors j'ai calculé depuis les épaules, voilà, alors il me fallait... mettre le petit cordon chaînette. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc je me suis arrêtée aux 12 motifs de là à là. Alors maintenant ce que je vais faire, et pareil pour l'autre côté, hein, voilà. Donc en fait j'ai mis les crochets justement pour me repérer. Alors je vais prendre ma petite ficelle. Voilà. Alors je vais prendre ma petite laine. Alors je vais prendre le tricot et on va se mettre comme ça en fait. Ça ira peut-être mieux, voilà. Alors, qu'est-ce que tu me fais? Alors je vais m'attacher directement ici dans le trou du milieu. Hein. Alors, je vais prendre mon fil. Je vais faire comme ça. Je vais prendre les deux en même temps pour bien l'attacher.
Voilà. Alors ensuite, moi, ce que je vais faire, eh ben, je vais monter en fait mon petit cordon. Voilà. Alors, ben, mon cordon, on va plutôt dire une machinette. Hein. Je vais plutôt le faire qu'en machinette. C'est plus joli, plus fin. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. En fait, je n'ai même pas à calculer. Je vais le faire le plus long possible. Puis, une fois que je vais l'essayer sur moi, et ben ensuite, je verrai bien quand je vais l'attacher. Est-ce que je fais plus grand, est-ce que je fais plus court, je verrai bien. Alors vous, si vous faites, et ben vous faites pareil en fait. Voilà. Vous raccrochez au trou et puis vous montez votre machinette. Voilà. C'est pas la peine de calculer parce que franchement, je peux pas vous dire. Hein. Je vais pas vous dire 80, 60, j'en sais rien du tout. Voilà. Donc c'est une fois que je vais le montrer, que je vais le mettre sur moi. Quand je vais attacher avec l'autre, ben que je me rends compte en fait si c'est assez grand ou pas. Voilà. Le principal après pour faire un petit nœud, quand on puisse qu'on puisse l'attacher, puis après bon ça pointe un petit peu près sur le côté, on verra. Voilà. Pour l'instant pour moi ça n'a l'air pas encore trop grand à mon avis. Continuer. Alors ensuite, moi je pensais, pourquoi pas, terminer le bout avec une petite perle. Je trouve que ça serait un petit peu, ça serait un peu sympa, j'ai l'impression. Ça ferait pas mal, je pense, ça ferait pas mal. Alors là, si on fait le nœud et tout, non, je pense pas que j'aurai assez. Non, faire le nœud, non. Encore laisser un petit peu, encore monter un peu. Je préfère, voilà. Puis en plus, c'est plus sympa quand ça pendouille un peu, quoi. Pas non plus que ça fasse trop limite, en fait. Ce sera pas du tout joli, en fait. Bon, après, chacun, il fait comme il veut, hein. Si vous aimez long comme moi, vous laissez long. Si vous voulez à peine plus court, faites plus court. C'est vous qui voyez. Hein. Alors, moi, je pense que... Oh oui, là, ça devrait aller largement. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre mon petit ciseau. Voilà. Alors, je vais couper la ficelle. Voilà, le plus long, je vais laisser plus long. Voilà. Alors ensuite, moi, qu'est-ce que j'aurais bien voulu faire? En fait, c'était mettre une petite perle au bout. Voilà. Je vais laisser ça comme ça. Voilà. Et en fait, j'avais des petites perles. Voilà, des petites perles en bois. Ça faisait quand même très longtemps que je les avais. Et puis, je trouve que c'était quand même sympa, à mon avis, de mettre une perle au bout. Vous voyez, ce petit perle comme ça, en fait. Je trouve que ça ferait sympa. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais refaire un petit peu le trou dedans parce que ça m'a l'air bien serré. Voilà. Alors maintenant, pour le mettre, comment je vais faire? Eh bien, comment je vais faire? J'ai trouvé la solution. Qu'est-ce que j'ai fait de mon aiguille? Ce que je vais faire, je vais reprendre mon aiguille à coudre. Voilà. Je pense que ça devra aller comme ça, j'espère. Je vais le rentrer dans la petite perle. Ça veut bien rentrer? Non, ça ne veut pas rentrer. Alors moi, ce que je vais faire, je vais prendre un autre crochet. J'arrive. Et tous les crochets que j'ai là. Alors, alors, est-ce que j'en ai trouvé un bon? Alors, ce que je vais faire, je vais prendre peut-être un des crochets comme ça là. C'est vraiment les petits crochets quand on fait les petits napperons. Donc, j'ai déjà fait rentrer dans la perle. Eh ben oui, c'est le top. Voilà. Ce que je vais faire, je vais retirer ça, je vais passer directement à l'intérieur du crochet, voilà. Hop là, elle m'a nickel, voilà. Hop, je vais ressortir un fil, je vais repasser mon aiguille à l'intérieur. Ce que je vais faire, je vais passer l'autre également, voilà. Et ben voilà, moi je trouve que ça fait plus joli en fait. Voilà, ben je pense que je vais le laisser comme ça.
Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais prendre celui-là là, je vais le fermer. Voilà, je vais le fermer comme ça. Je vais couper le bout. Oui, ou bien comment je vais faire? Oui, je pense que... Oui, je vais couper le bout. Voilà. Et ensuite, moi, ce que je vais faire, je vais prendre ma petite, mon petit cordon. Je vais simplement faire un petit nœud comme ça, vous voyez. Hop. Je vais prendre ma petite perle. Avant de fermer, je vais faire glisser ma perle. Voilà. Je vais permettre de me mettre le plus loin possible. Alors, je pense que ça devrait y aller. Là. Voilà. Oui. Et voilà. Ah ben oui, voilà, nickel. Ça fera plus joli. Voilà, quand je vais le fermer. Voilà. Alors, maintenant, l'autre bout. Alors, ce que je vais faire, je vais reprendre mon crochet. Même pas, je vais même pas prendre mon crochet. Je vais carrément prendre mon aiguille. Voilà. Mon aiguille à laine. On va reprendre le fil. Là, s'il veut bien rentrer. Oui. Alors, où est-ce qu'on avait commencé le départ? Quand je vais retirer mon crochet, parce que c'est un peu gênant. On va reprendre la maille chaînette qu'on avait fait au départ. Et moi, ce que je vais faire, je vais carrément, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais carrément la coudre comme ça, en fait. Voilà. On sent quelque chose, justement, de propre. Voilà. Là, c'est bien le côté à l'envers que je suis, le côté envers, oui. Je vais faire un petit point d'accroche. Vraiment qu'il soit bien attaché. Et ensuite, ce que je vais faire passer mon fil. Hop là. Non, c'est pas évident parce que c'est un petit peu serré quand même. On va y arriver, voilà. Donc je vais repasser mon fil à l'intérieur. Ah, le truc qui s'est défait. Alors, tu y arriver? Oui, voilà. Alors, j'ai passé directement mon fil à l'intérieur. Voilà. Hop. Voilà. Et ensuite, je vais le faire passer directement ici. Dans le petit truc rond. Voilà, comme ça. Ça sera bien propre. Et on va refaire pareil. De l'autre côté, on va refaire sortir le fil là. Voilà. Et hop. Je vais quand même refaire un petit tour. Voilà. Je vais refaire un petit tour. Comme ça, il sera bien plié dedans. Voilà. Et maintenant, c'est bon. On peut couper. Voilà. Comme ça, bah, le travail, il est propre en fait. Voilà. Il n'y a pas de fil qui dépasse, rien du tout. Voilà. Alors moi, ce que je vais faire, eh bien, je vais faire le deuxième cordon. Et puis, bon, je vais calculer combien de mailles chaînettes que j'ai fait. Puis je vous dirai ça juste après. On se retrouve, à tout de suite. Alors voilà, j'ai fini la deuxième maille chaînette. Enfin, le deuxième cordon chaînette. Alors en fait, moi, j'ai monté 68 mailles chaînettes. Hein. Voilà. C'est vraiment parfait. C'est vraiment ce qu'il fallait. Voilà. Maintenant, ben, on va attacher le tout. Voilà. On va faire juste un petit nœud comme ça, vous voyez. Et là, on va le laisser pendouiller. Voilà. Moi, je trouve ça très joli juste pour une petite fermeture comme ça, voilà. Voilà. Vous voyez comme c'est joli? Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Quand j'ai réalisé ce pull, parce qu'il me semble que j'ai oublié de le dire, là, en fait, par rapport au dos, j'avais fait... un motif, voilà, du point péruvien. Alors automatiquement, vous allez faire, en fait, vous allez diviser en deux par rapport à devant, pour faire le devant. Moi, j'en ai fait 20 derrière. J'ai fait deux bandes de 10, deux bandes de 10. Vous voyez, à chaque fois, vous allez diviser par deux le nombre de points péruviens que vous avez fait pour avoir la bonne largeur sur le devant. C'est vraiment pas compliqué du tout, quoi. Voilà. Si, admettons, vous faites 44 points péruviens dans le dos, et bien vous allez en faire 22 sur
sur un devant et 22 sur l'autre côté, quoi. Voilà. Hein? Eh bien, je pense que j'ai rien oublié à vous dire. Eh bien, j'espère que mon petit tutoriel vous a bien plu. J'étais très très contente de l'avoir partagé avec vous. Et puis, ben, à bientôt sur ma chaîne Amélie Crochet. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner. Au revoir, à bientôt.